ceux de la République de Côte d'Ivoire en Guinée-Bissau, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, représentant le ministre de la Défense, Messieurs les ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique, mon général, chef d'état-major général des forces armées de Guinée-Bissau et collaborateurs, mon colonel DFC, représentant le commandant de la force, officiers, sous-officiers et militaires du rang de la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau, mesdames et messieurs, chers invités, de m'adresser à vous à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette célébration est un moment d'intense émotion pour toute la nation ivoirienne, car elle nous rappelle les valeurs et les symboles que nous ont légués les pères fondateurs. Suite à de tristes événements ayant frappé la République sœur de Guinée-Bissau, dans le cadre de la CEDEAO, la République de Côte d'Ivoire a conçu et déployé un hôpital militaire de campagne de niveau 2. Le rôle principal du service santé des armées est certes d'assurer en toutes circonstances le soutien médical aux troupes, mais il consiste également à apporter des soins aux populations civiles. Cet hôpital propose gratuitement une capacité de soins divers que sont les consultations de médecine générale, les consultations et soins dentaires, l'hospitalisation, la chirurgie digestive et orthopédique, l'imagerie médicale, le laboratoire et la pharmacie. Depuis juin 2022 jusqu'à ce jour, ce sont près de 22 000 consultations et actes médicaux qui ont été réalisés majoritairement au profit des populations civiles. Par ailleurs, 4 activités civilo-militaires ont été mises en œuvre pendant cette période dans les villes de Kidamel, Jabla Porto et récemment Mansour. D'ailleurs, l'augmentation fréquente du nombre quotidien de consultations témoigne de la satisfaction des populations. Je profite de cet instant pour féliciter la représentante spéciale du président de la commission de la CEDEAO et l'état-major pour les efforts déployés et les moyens mis en œuvre pour la conduite de cette opération. Je félicite également tout le personnel de l'hôpital de niveau 2 qui a œuvré pour permettre d'obtenir ces résultats impressionnants. Certes, il nous reste encore de nombreux défis à relever, mais le chemin déjà parcouru est à la fois satisfaisant et encourageant. Mesdames et messieurs, considéré comme l'un des piliers de la communauté économique africaine, la CEDEAO a été créée dans le but de promouvoir l'idéal d'autosuffisance collective de ses États membres. En tant qu'union économique, elle vise également à créer un grand bloc commercial unique par le biais de la coopération économique. Aujourd'hui, la régionalisation des défis sécuritaires a motivé la mise en place d'une architecture de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest, matérialisée ici par la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau, un outil d'intégration sous-régionale. À la communauté ivoirienne présente en Guinée-Bissau, la fête de l'indépendance est aussi l'occasion de revisiter le pacte social qui existe entre tous les Ivoiriens. Nous devons œuvrer pour préserver les symboles que nous avons reçus en héritage, notamment l'union, la discipline et le travail, notre devise nationale. Nous avons une précieuse richesse commune à préserver, c'est la Côte d'Ivoire
notre grande nation battue dans l'effort, la diversité et le respect de nos différences. Mais nous avons également une responsabilité collective, celle de réaliser l'union de tous les enfants de notre chère patrie. Le président Félix Houphouët-Boigny a dit « Dans cette Côte d'Ivoire, où est si vive la conscience de la responsabilité de génération en génération, la fierté veut que chacun de nous laisse à la génération future davantage qu'il n'a reçu. Notre devoir est donc de laisser aux plus jeunes une culture plus forte des valeurs de la nation. Au personnel de l'hôpital militaire de niveau 2, je sais toute l'étendue de nos tâches et je mesure pleinement la complexité de notre mission pour la préservation de la paix et le bien-être des populations de Guinée-Bissau. Je voudrais également vous exprimer la reconnaissance de l'État ivoirien pour votre participation à cette mission. Ceci s'est matérialisé récemment par les félicitations de l'État-major des Forces armées de Côte d'Ivoire. En effet, notre remarquable engagement en Guinée-Bissau contribue au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale. En dépit des difficultés rencontrées dans l'exercice de nos missions, nous avons toujours su garder le cap. Je tiens particulièrement à vous féliciter pour ces résultats remarquables. Sachez que notre mission est noble, car aucune opération d'une telle envergure ne peut être envisagée sans une telle qualité de soutien santé. Pour terminer, je vous encourage à consolider les acquis, à poursuivre le renforcement du lien entre la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau et la population locale. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre pays. Le Cap Vert, doyen du corps diplomatique. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République du Sénégal. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République de Guinée. Excellence, ma chère maman, ambassadrice de la République de Gambie. Chers frères, consul honoraire du Ghana. Monsieur le général représentant le chef de la défense de la Guinée-Bissau. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, officiers, sous-officiers, distingués invités, mes chers compatriotes, c'est un grand honneur et un privilège de vous accueillir tous dans les locaux du contingent de la Côte d'Ivoire pour la célébration du jour de l'indépendance de notre pays qui a aujourd'hui 64 ans. Raison pour laquelle je prends la parole ce jour au nom de ma hiérarchie et particulièrement au nom de son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, président de la République qui a toujours œuvré au développement et à la paix et surtout à l'amour de notre pays, sans oublier la sous-région. Tout en saluant celui qu'il appelle affectueusement son fils, c'est-à-dire le président Sissoko Embalo, président de notre pays d'accueil, la Guinée-Bissau, au nom de ces deux grandes personnalités, je vous prie d'ovationner le contingent ivoirien avec à sa tête le colonel Béa Boris, ici présent, pour tous les sacrifices consentis et surtout leur professionnalisme quotidien aux côtés de leurs frères d'armes du Nigeria, du Sénégal, du Ghana et de la Guinée-Bissau. Veuillez les ovationner, s'il vous plaît. Il
Ils continuent sans cesse à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la stabilisation et l'assistance médicale dont le bénéficiaire majeur est le peuple bissau-guinéen. Grâce à l'appui indéfectible de la CEDEAO, grâce à vous, valeureux soldats, et surtout avec le concours de vos frères d'armes de la Guinée-Bissau, vous avez, pour moi, accompli 90% de votre mission. La Guinée-Bissau est stable aujourd'hui, est stable demain, elle sera stable pour le futur. Distingués invités, comme on le dit chez nous, à quoi bas au pays des trois étoiles, les champions d'Afrique vous accueillent à bras ouverts. Cette cérémonie est basée sur la paix, la stabilité et l'amour de son prochain. L'œuvre humaine, même de sagesse, ne peut se concevoir sans erreur. C'est pourquoi nous devons nous aimer vivants. Aimons-nous vivants. Je ne pourrais terminer mes propos tout en vous souhaitant bonne fête à toutes et à tous. Vive la Côte d'Ivoire, vive la Guinée-Bissau, vive la CEDEAO et vive l'Afrique prospère. Je vous remercie. Thank you.